Animatrice de radio à Rouge FM depuis une dizaine d'années et maman de 3 enfants, Marie-Claude Morin vient de publier son 6e livre de recettes, Nos tapas. Un livre dans lequel elle partage son amour pour l'Espagne, la famille et les petites bouchées. La tapa officielle en Espagne, c'est la tortilla de patata, qui est une omelette aux patates, qui se déguste partout, dans tous les bars de tapas. Et chacun a sa recette personnelle. Alors, dans le livre, vous allez retrouver la nôtre, celle qu'on a peut-être adaptée ou celle qu'on fait pas comme le voisin. Celle du voisin est bonne, la nôtre est bonne, mais sont toutes bonnes, les omelettes aux patates. Ton livre de recettes, Nos tapas, c'est une œuvre familiale. Oui. C'est pas juste un livre de recettes, c'est aussi un récit de voyage. Oui. Puis les personnages, bien, c'est les membres de ta famille. Bien, les figurants, c'est mon chum, c'est moi, c'est mes 3 enfants. Et c'est beaucoup de gens de ma famille élargie qu'on retrouve également dans ce livre-là, parce que mon chum, c'est un Espagnol. Donc, depuis très longtemps, on fait des voyages en Espagne. On a appris à découvrir la culture espagnole, la culture des tapas aussi. Et ça faisait longtemps qu'on avait en tête de faire un livre de tapas. Bon, surtout un livre de recettes pour que vous puissiez découvrir le vaste et merveilleux monde des tapas, mais aussi que vous puissiez peut-être avoir le goût un jour de partir en Espagne, vous aussi, parce que c'est un pays fantastique. Derrière les tapas, il y a toute l'idée du partage. Ah, est-ce que vraiment? Tu peux nous parler de la philosophie là, du tapas? Bien, nous, ce qui nous interpelle beaucoup dans les tapas, c'est que c'est des valeurs qui viennent beaucoup nous chercher comme famille. D'abord et avant tout, il faut dire que c'est un concept qui est très familial. Oui, le concept du partage, parce qu'on est autour d'un comptoir ou autour d'une table, on partage quelques bouchées, mais aussi le concept du partage du temps. C'est-à-dire que les gens en Espagne vont se retrouver, par exemple, après leur journée de travail dans un bar de tapas, vont partager un verre avec leurs amis, donc vont partager au-delà du verre et des tapas une conversation, il y a un échange. Donc, le partage, c'est vraiment de façon élargie. Au début du livre, on parle de 15 ingrédients clés. Est-ce que tu peux faire un survol des ingrédients là, nécessaires à connaître pour fabriquer nos tapas? Bien, moi, ce que je trouvais intéressant avec le concept du livre Nos tapas, c'était parce que les gens découvrent tranquillement, pas vite, le concept des tapas, sauf que c'est beaucoup les restaurants d'ici qui s'en emparent et souvent des grands restaurants qui font leur version de leur tapas, donc qui font peut-être une cuisine un peu plus élaborée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, les tapas, c'est une petite bouchée qu'on prend avant le repas qui va suivre. Donc, en Espagne, les tapas, c'est très, très simple. Il n'y a rien de compliqué dans les tapas. Et on a voulu ramener ce concept-là dans le livre, c'est-à-dire faire découvrir aux gens la simplicité du concept des tapas. Et c'est un peu pour ça qu'on a mis les 15 ingrédients de base de la cuisine des tapas. On retrouve là-dedans le saucisson espagnol, le chorizo, on retrouve l'ail, on retrouve les crevettes, le thon, on va retrouver une bonne huile d'olive, on va retrouver du pain, des œufs. Donc, c'est un concept qui, au départ, est assez simple. Avec ces ingrédients-là, on a juste à être créatif, puis on peut créer tous les tapas. Dans le bien, totalement. Et d'ailleurs, le livre vous propose à peu près 70 recettes en espérant que ça pourra vous inspirer pour que ça devienne votre livre de tapas, c'est que vous puissiez dire « mes tapas » ou « nos tapas » à votre tour. Mais dans le fond, c'est une base pour laisser voguer son imagination au gré des tapas. J'ai déjà faim. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci.